Tu joues avec moi? Bah vas-y, approche ta tête alors. Toi, t'es le genre de meuf. Tu regrettes rien, mais t'arrêtes pas de gamberger. Alors, plus que sur la jeunesse, c'est un film sur les rêves de jeunesse. Il y a une petite phrase de Goethe, le célèbre Goethe, qui dit « Méfiez-vous de vos rêves de jeunesse, ils finissent toujours par se réaliser. » Tout est dans le « méfiez-vous » en fin de compte. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça l'origine du film? Non, bien évidemment, mais je crois que c'était plus d'essayer de dresser un portrait de ce que pouvait être l'esprit de l'utopie aujourd'hui. Moi, j'allais rebondir sur ce truc. Effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'âge préadulte dure de plus en plus longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être un adulte? Je veux dire, est-ce qu'en fait, on n'est pas déjà des adultes, mais une autre façon d'être des adultes que celle qu'on nous propose? Et je pense qu'elle est tout aussi valable. T'aimes pas laisser des gens sur le bas-côté, mais bon, tu sers pas la soupe au clodo non plus, hein. Tu sais pas où elle est passée ta vie? Tu te demandes où tu vas? On s'est rencontrés la première fois, c'était Alain, il savait que ça serait Salomé qui jouerait Salomé. Et moi, il cherchait quelqu'un avec qui c'est bien. Et je me rappelle, je suis arrivée, il y avait Salomé qui était déjà sur le canapé, j'ai dit bonjour, elle a dit bonjour. Un peu comme un chat antique mystérieux. Et en même temps, je me disais, faut pas forcer parce que c'est chiant de forcer et puis... pas vouloir que le rapport soit bien, on verra. Je pense que je cherchais à faire une sorte de fable cinématographique sur un moment, un état de la France aujourd'hui. Et que cette idée de déchetterie, l'endroit où on recycle des choses, l'endroit où on vient se débarrasser de quelque chose, était pour moi la poétique du film. Voilà. Et bim, voilà, tu renifles les poubelles. En gros. Je me trompe? Tu veux, je te dis ton avenir aussi. Ah, les taupes, oui. On adore les taupes. Oh, les taupes, c'est exactement ce que dit le personnage de Salomé dans le film. C'est qu'on croit que ce sont des nuisibles, mais en fin de compte, pas du tout. Ça aère les sols, ça les rend fertiles. Et que les taupes, bah, ça serait comme... elles seraient des petits sages, des petits maîtres pour les humains. Où en effet, on dirait qu'on creuse dans le noir et on ne sait pas où ça va. Mais les taupes, elles savent très bien que ça va aboutir à un moment dans un ciel. Et taupe.